Sternifie, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Dédé. Je vous appelle pour ma belle-mère. Elle m'embête vraiment. Je voudrais savoir si vous ne pouvez pas lui livrer des cafards chez elle. Livrer des cafards? Je pense que tu veux dire des blattes. À toute façon, c'est pas possible. C'est pas possible de livrer des blattes. C'est pas possible. Désolé. Quoi? C'est pas possible? Mais pourquoi c'est pas possible? Je vais appeler quelqu'un d'autre. Au revoir, monsieur Dédé. Espernusie, bonjour. Salut les Dédés, voilà, je t'explique mon problème. Voilà, je suis en train de jouer à la console là, et en fait, là je me retrouve en face d'une fourmi géante de 3 mètres de haut, poteau. 3 mètres de haut, ouais. Alors, étant donné que j'ai plus de munitions, et bon, je fais quand même 1m79 pour 75 kg, ça va, c'est pas dégueulasse. Est-ce que Dédé, je peux y aller à main nue? Moi je le sens bien, je suis chaud, poteau. Alors, poteau, je pense que ça serait mieux avec une poudreuse. Mais bon, si t'es chaud, allez, vas-y. Allons, on va essayer, hein. Ah, lâche-moi, oui. Je suis mort comme une merde. Voilà. Expert nuisible, bonjour. Oui, bonjour. C'était pour savoir, c'est quoi la hiérarchie des loups? La hiérarchie des loups? Alors, la hiérarchie des loups, il y a... En premier, il y a le couple alpha... En second, bêta. En troisième, gamma. Et en quatrième, oméga. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, dans notre société, ça veut dire l'alpha, c'est le président. Le bêta, c'est l'État. Le gamma, c'est les riches. Et l'oméga, c'est les pauvres. Voilà, j'espère que ça te va. Expert Nuisi, bonjour. Bonjour, je vous appelle. J'ai une petite question. J'ai trouvé chez moi un frelon. Tout le monde me dit que c'est un frelon européen et moi je suis sûr que c'est un frelon asiatique. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc je vous envoie une petite photo voilà, pour avoir une confirmation. Ah oui, vu la photo, c'est des frelons européens, ouais, ça c'est sûr. Avec le cul jaune comme ça et les rayures noires, ouais, il n'y a pas de souci, c'est des frelons européens. Oui, mais je comprends pas, je vais vous envoyer la deuxième photo. Moi je suis sûr que c'est un frelon asiatique. Quand on retourne, regardez ce qu'on voit, c'est écrit dessous Made in China. Oh punaise! Mais ils sont fous ces Chinois. Si maintenant ils se mettent à nous copier nos frelons, on n'est pas dans la merde. Espernusie, bonjour. Salut Dédé, dis-moi, j'avais une question. Comment on fait pour participer à Espernusible? Alors, pour participer à Espernusible, c'est facile. Déjà, tu commences par t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo. Après, je t'invite à regarder la vidéo en haut qui va t'expliquer comment faire avec... tous les liens dans la description. Et après, pour soutenir la chaîne, je t'invite à regarder la vidéo du bas. Ça fera toujours plaisir. Allez, à bientôt.